Bonjour à tous, aujourd'hui épisode très spécial. Donc aujourd'hui on va se finir les petites quêtes comme ça, le Gwent. Il y a un Gwent là, il y a le... Où est-ce qu'il est? Le tournoi de Gwent. Voilà, il est là. Tournoi de Gwent. On a évidemment des contrats, beaucoup de contrats. Même le niveau 35, je pense pouvoir le faire. Hein. Vous allez voir que mon stuff il est pas mal. Des chasses au trésor. Bref, K. Oui, ce que j'ai fait, j'ai farmé du fric. En fait, c'est très simple. Bon, j'ai continué de piller un petit peu, de vendre tout ce que je trouvais. Mais surtout, là, je m'étais basé sur 10, tu vois, 10 de chaque. Et je me suis dit, en fait, ça va. À part le Dimeritium, je le garde. Mais le reste, en fait, ça va. J'en ai pas vraiment trop besoin. Donc, je me base sur 5 maintenant. Et du coup, ça m'a fait tellement de fric. Parce que c'est tellement gratuit. Et je crois que c'est à cause de ça, mais j'ai eu tellement de fric que j'ai eu une visite du fisc. Et je sais pas où est-ce qu'il est. Attends, où est-ce que c'est? Voilà, sommation de paiement est avisé par la présence de régler ses arriérés d'impôts d'un montant de 1000 couronnes. En cas de défaut de régularisation, le fraudeur se verra interdire l'accès au système bancaire. En vrai, je m'en bats les couilles. Le système bancaire, bro, juste... Oula, oula, j'étais mal positionné là. En fait, j'ai rien à échanger pour l'instant, je crois. J'ai pas de monnaie. Ah oui, et dans le Gwent, il me reste une carte Velen. On va voir c'est quoi, mais... J'ai peur que ce soit PNJ qui soit mort ou une connerie dans le genre. Donc on va voir parce que j'ai fait le tour. Hein. J'ai essayé de faire le tour et de voir un petit peu. Donc je pense qu'on est parti. Pourquoi pas un petit peu de Gwent? Hein? Bon, en tout cas, franchement, à votre avis, combien de fric est-ce qu'on peut se faire pour la fin de l'aventure? Je vais essayer évidemment d'acheter les schémas et tout. Mais combien de fric on peut se faire? Moi, je miserais. Là, par exemple, en termes de succès, je suis à 25% des succès, même si je me suis pas trop attardé. Le jeu, je pense, en termes de quêtes, de trucs comme ça, je dois être à plus de 30%. Sachant que les zones d'après, elles seront bien plus haut niveau, donc ça me rapportera plus. Il y a moyen d'atteindre 200 000, non? Et même si on veut arrondir 250 000, un quart d'un million, est-ce qu'on se viserait pas ça? Faites vos paris dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de voir combien on peut avoir. Je vais essayer de tout ramasser et tout, évidemment. Vim, pouvez-vous me rendre un service? Hélas, non. Comment ça, non? Ah oh, merde. J'ai entendu dire que vous n'avez pas payé vos impôts. Tant que vous n'aurez pas réglé ce problème, je ne peux rien faire pour vous. Vas-y, vas-y, c'est bon. Bon, d'accord. Je vais payer. 100 points d'XP? Attends, mais bro. Je lui file tout ça. Ça me rapporte 3600 points d'XP. Et moi je vais le faire, hein. Non? Non, quoique. Non, en vrai c'est cher. En vrai c'est très cher. Bah, du coup, c'est bon. Ok, bah on a payé nos impôts, les mecs. Nickel. Alors, Vernon, Gwent, c'est parti. Aujourd'hui, il va y avoir du Gwent. Hein. Putain, les braises? Les braises qui viennent absolument pas des bûchers? Nice. Alors, Gwent, vieux amis. Franchement, je vais jouer le Royaume du Nord, encore et toujours. Et il faudra que je pisse cet endroit, mais pour l'instant, ils veulent pas me laisser faire. Regardez ça. C'est bon, c'est bon. J'ai là pour le Gwent. Une petite partie. Oui, mais je n'ai pas d'adversaire ici. Si tu as un jeu, je veux bien faire une partie. Ah ouais? Bonne chance. Mec, s'il a pas pu s'entraîner, c'est gratuit, hein. Alors, est-ce que j'ai un truc à rajouter? Pas du tout, hein. Go. Parfait. Excellent. What? C'est excellent. Bah ouais, bah go. J'ai des trucs de ouf là. Il commence avec 1. Alors. Ah, est-ce qu'on partirait direct sur des petits archers, franchement? C'est risqué s'il a une terre brûlée, d'accord? On va voir. Ok, je reste comme ça. J'invoque un petit espion. Oh oui. Oh, regardez-moi ça. Bro, même s'il a une terre brûlée, prochain tour, je mettrai juste ces mecs-là pour les boosts. Ok. Alors là, le problème, c'est que... Franchement, j'ai envie de faire ça. Parce que j'ai pas d'armes de siège.
Là, il va m'invoquer un espion en fait. J'ai pas d'arme de siège. Ce que je veux, c'est reprendre l'espion qui va m'invoquer. Voilà. Et il fallait que je passe un tour. J'avais pas envie de claquer tout ça. Ok, nickel. Là, c'est parfait. Hein. Là, il va passer. Ah ouais? Ah oui, il reprend carrément toutes ses. Très bien. Et au moins, il a pas repris l'espion. Hein. Allez, go. Passons. Première manche, un no match. Ah ouais, jouer. On va commencer tranquillement avec des catapultes. Bon là, il y a vraiment rien de bien fou. Je pense que c'est c'est plié. Il n'y a pas de raison. Double unité. Ouais. Même avec ça, là, je pourrais passer. Hein. Mais j'ai pas envie. Je vais continuer d'invoquer des trucs. S'il met un espion, je passe par contre. Il a beaucoup de trucs. Hein. J'ai pas... Ah, j'ai pas des trucs... J'aurais aimé avoir une terre brûlée en fait. Mais c'est pas grave. Lui, il peut pas me claquer de terre brûlée pour l'instant. Et même là, il peut pas. Parce que sinon, il détruit ses propres trucs. Alors, c'est comme il veut. Hein. Ah ouais? Putain, ça fait... Ok. Je vais invoquer ce truc-là. Tranquillement. Mon adversaire a passé. Ben voyons. Voilà, et pour le beau jeu. Voilà. C'est comme ça qu'on plie une partie. Nice. Tu connais d'autres joueurs? J'ai entendu parler d'un homme fraîchement arrivé à notre. Novigrad? Lambert, tu m'étonnes. Je connais bien Lambert. Et j'ignorais qu'il jouait au Gwent. Ah, je peux pas. Il est pas à Novigrad là actuellement. Talar est un joueur invétéré et possède un jeu intéressant. Talar? Il se trouve qu'il est dans le coin. Mais go, je savais pas qu'il y en avait d'autres. Exactement ce qu'il est. Par contre, en vrai, attends. Dis-moi que. Oh, c'est bon, c'était celle-ci. Je vous jure, j'ai passé 3 heures à refaire tous les marchands de Velen avec un guide parce que je croyais que j'avais juste zappé un des marchands. Il fallait juste attendre que je tourne cet épisode. Petite partie de cartes. On m'a dit que tu aimais jouer aux cartes, c'est vrai? Je suis un joueur dans l'âme. Cartes, dés, échecs, ça me... Ok, jouons. Oui. Ok. Alors oui, 23, je peux virer un mec, genre Vesemir. Ou une catapulte chelou. Non, Vesemir. Voilà. Il en parle. Alors, parfait. En fait, j'aime bien avoir des cartes qui font des trucs, tu vois. Genre ça, j'aime pas, par exemple. Voilà, ça j'aime. Et tout ça, c'est parfait. Les héros, je garde. Alors, l'espion en premier. Comme ça, s'il a un leurre, il me le renvoie et je le renvoie. Parfait. Parce que j'avoue que si j'avais pas de leurre, j'aurais peut-être fait l'espion à la toute fin quand il passe, tu vois. Et pour l'instant, c'est gratuit. Hein. Il veut pas, là? J'ai des héros. Hein. C'est pas grave. Geralt. Ben alors. Bataille de héros. C'est tag. Je peux rester deux mecs. Hein. Ah ouais, il est chiant lui. Ok, parfait. C'est gratuit. Est-ce qu'il en a un autre? Oh! Je vais peut-être détruire ces trucs. Hein. 5, c'est beaucoup quand même. Et je sais pas s'il peut avoir plus. Ah oui, 5. 5 en plus. Nice. J'avais oublié. Il le refait. C'est pas grave. Je vais invoquer ça. Ok. À partir de là. Ah ouais? Il fait ça là? Écoute, voilà. Je vais pouvoir leur invoquer l'espion. Hein. Pas de panique. Par contre, il a... Je vais passer. Il y a des trucs relous. Ça va, et toi, je vais
Ah non, juste une carte. Ah. Triss, ok. Je vais rappeler mon petit espion. Pas dégueu. Pas dégueu du tout. Je vais garder pour la fin, je pense. J'ai quoi en carte? Ah oui, j'ai ça. Ça, c'est pas mal. Ok. Pour l'instant, mec au corps à corps. Il a passé, ok. Qu'est-ce que je peux invoquer? Il me faut 9 points. Ah, dans tous les cas, ça me coûte beaucoup. Non, j'ai envie de la garder, elle. Elle est trop forte. Putain, si je fais ça, ça coûte 8. Je dois claquer 2 cartes dans tous les cas. Bon, écoutez, tant qu'à faire. Voilà. Ouais, je sais, mais au moins j'ai ça. Hein. Et c'est vraiment bien pour le coup. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais réinvoquer quelqu'un qui réinvoque. C'est pour ça que je les ai pas claqués durant le même tour. Et derrière, j'aurais peut-être dû attendre. C'est pas grave. Je peux invoquer lui. Allez, lui. Mettons ça vite fait. Comme il veut. C'est bon. Hein. C'est 100% bon. Ok. Bon, pour le beau jeu quand même. C'est tellement gratuit. Nickel ça. Parle computrique de Melitel. Putain, les insultes. Tu joues depuis longtemps, ça se voit. Ouais, bah oui, ça se voit, évidemment. J'ai entendu parler Lambert. Ouais. Attends, je crois que j'ai eu un truc là. Je vous jure, j'ai cru voir Gérald de Rive. Oh oui. Oh. J'ai enfin moi-même. C'est tellement bien. Du coup, je vais virer un trébuchet, genre. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à notre tournoi de Gwyn fermé. Et par fermé, je n'entends pas seulement son caractère élitiste. Quitter le passiflore avant la fin du tournoi est synonyme de disqualification. C'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, 3 et 4, ni bagarre, ni triche, ni tour de magie. Ok, ça me va. Nous jouons pour des figurines en or. Le vainqueur les empochera toutes, ainsi qu'une dotation égale à 9 fois l'inscription. 9000 couronnes. Je suis au bon endroit. Nous avons 9 participants. Le tournoi consiste en 3 manches. Le finaliste aura l'honneur de m'affronter. Les joueurs seront à parier aléatoirement. Le tirage au sort de la première manche va vous être communiqué. Ah. Allons-y, hein. 2 espions déjà. Pas trop mal. Ok. Bon, clairement, les espions, c'est godlike, hein. Il est sérieux. Bon. Bah, go, hein. Alors, commençons par des petits archers. Terre brûlée. Relou. Genre vraiment, vraiment relou. Du coup, Siri. Je vais voir, hein. Voir ce qu'il fait. Une catapulte boostée. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, j'ai pas envie de...
Après, c'est Royaume du Nord, c'est un peu chiant, quoi. Je vais faire ça. On va voir. Il booste encore. Je vais pas jouer ça, j'ai pas envie de jouer ça. Je vais lui enlever un 5. Parfait, il a passé. Ah moi, alors je vais invoquer ça. Pour avoir un petit espion. Il claque un petit jasquier. Je vais essayer de le faire surenrichir. On va voir ce qu'il met. Trébucher. Pas bien fou. Ok. Il a mis un espion, c'est bien relou. J'ai envie qu'il vire sa terre brûlée s'il en a une. Ah oui, détruisez, c'est vrai. J'avais oublié que ça existait. Et je vais quand même en rappeler une, je pense. Hein. Alors, j'ai envie de passer quand même. Sinon, j'invoque. Ah, il doit avoir encore une terre brûlée. Ça m'étonnerait pas. Je vais passer. Il a claqué beaucoup de trucs sur ça. Hein. Et il invoque un espion. Vas-y. Combien d'espions, genre, dans cette game? On va voir. Hein. Toujours plus. Alors, Yennefer. Kimser a invoqué elle. Kimser a invoqué lui. Voilà. Terre brûlée. Ça va. Encore. Brouillard. On a tous les deux pareil. Mais c'est que si moi je fais un x2. Je vais faire ça. Ok, c'est bon. Bon. On est gagnant sur celui-ci. C'est assez dur. Hein. Ils ont beaucoup d'espions. Dommage de me voir éliminé dès le premier tour. Je vais peut-être prendre un leurre en plus. Ce n'est qu'un jeu. L'essentiel, c'est de passer un bon moment. Alors, je sais pas elle a quoi comme deck. Donc on va partir avec ça. Et au pire, j'ai une sauvegarde. Hein. Alors, j'ai qu'un espion. Pas dégueu. Ça va. Espion. Quoi? Ah, elle fait exprès là. Non? Elle fait pas exprès de perdre? Elle sait pas à qui elle a affaire. Depuis que j'ai ajouté un leurre, là c'est mort. Mais si tu veux,
Je t'en remets un, voilà, c'est gratuit. Allez, je passe. Et maintenant, ça va envoyer du lourd. Déjà on tente, très vite fait. Voir s'il a pas une petite terre brûlée. Voilà, bah oui, évidemment. Il faut bien, sinon c'est pas marrant. Alors, on va partir sur ça. Des petits archers, juste histoire de, d'accord. Ensuite, on rappelle l'espion. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On part sur du héros. Juste histoire de. Psst, qu'est-ce qu'il fait? Je vais juste rappeler vite fait bah une catapulte. Hein. C'est dommage qu'elle ait viré mon autre catapulte. Mais bon. Siri. Allez, ça dégage. C'est gagné. Les espions sont juste trop cheatés. Terre brûlée. Bah ok. C'est juste pour le beau jeu. Voilà. Nickel. Alors là. Pourvu que la chance ne te quitte pas. Elle était nulle. Le nain était beaucoup plus fort. Oh merde, ils sont deux. Ok. Ok, ça va être plus dur que prévu. Par contre, j'ai pas ma technique secrète, à savoir sauvegarder avant le combat. Donc là, ça va être compliqué. Ah, j'aurais dû prendre un truc, un brouillard ou quoi. Terre brûlée, c'est pas mal. Espion, je dis oui. J'aimerais bien avoir un autre espion. Ça, je pense que je peux le virer en vrai. Est-ce qu'on part comme ça ou est-ce qu'on essaie d'avoir un autre espion? Genre lui. Ah oui, parfait. Attends, on va partir sur des héros. Ah ouais. Mais c'est moi ça. Il y a deux elfes, maintenant il y a deux Geralt, putain. Ok. Je veux lui faire croire qu'il va gagner. Parfait. Enfin non en fait. Parce qu'il a un truc à 6, c'est chiant. C'est très chiant. Et pour l'instant ça va. Hein. Ok, là c'est chiant. Je vais rappeler ce truc là. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Il réinvoque. Mais à quoi il joue? Mais il gagne si tu veux, mais. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement vénère. Mais là en fait, c'est juste gratuit pour moi. Bah ouais, mais terre brûlée en fait.
Il a plus de cartes, le pauvre. Quoique, il a peut-être un... Il a peut-être un espion qui traîne, hein. Non, pas du tout. Ok. Allez, petit héros. Très bien. Écoute, comme d'hab, hein, on les humilie. Voilà. Le mutant a triché. Oh oui. C'est ça là. Non mais vraiment? J'arrive pas à ça là. Bro. Encore un. C'est bon. Nickel. Bien joué. Félicitations pour votre double victoire. Initialement, je comptais appeler les gardes, mais... Oui, j'ai préféré régler le problème moi-même. Veuillez me rejoindre pour la finale. Ok, voilà qui est fait. Et ça, ça fait plaisir. Il m'a donné sa carte ou pas, là ? Déjà, j'en suis où dans mes cartes ? Novigrad 1, bah, je vais l'avoir là, hein. Non ? Mon jeu de Gwent. Est-ce que j'ai eu un truc intéressant? Pas du tout. Je sais pas il a quoi, ça le problème. Donc là, le premier... Ah, monstre. Ah, c'est chiant, ça. Ah, j'ai pas d'espion. J'ai rien qui combatte. Regardez, j'ai un vieux comme ça, une catapulte comme ça, mais rien ne combatte. Je vais enlever un archer. Ok. J'espère qu'il a des espions. Parce que là, je suis vraiment dans la merde. Après, il a déjà utilisé toutes ses cartes. Hein. Dis-moi que t'es un espion, s'il te plaît. Pour nous deux. Ah, je vais devoir claquer ça. Hein. Ah, pour faire... Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. C'est quoi son truc, là, d'ailleurs ? Torrentiel. C'est chiant ça. C'est chiant monsieur. Remettez dans votre main une carte de votre pile de défausse. Ah ouais. Allez, je reprends ça. Je lui ai fait croire qu'il allait gagner. Alors qu'en fait... Ah ouais, c'est chiant en fait. Vas-y, vas-y, je te laisse. Celui-ci, il est pour toi. Ah ouais? Ah ouais? Très bien. J'ai quoi dans ma pile? Ah ouais, j'ai rien que je peux invoquer, c'est chiant ça. Je vais mettre lui. Il a passé. Ok, il a passé. 18. Ah oui, mais c'est chiant ça. Je vais devoir booster ça. Hein. Ah, j'ai peut-être mal joué là. Après, je pioche une carte normalement. Oh. Je pense que ça va en vrai. Regardez, ça va, mais large. Déjà, je vais invoquer ça. Pour rappeler ce truc là. Ok, pas de panique. Ah bah c'est bon en fait, j'ai gagné. Mais sinon, regardez ce que je peux faire. Ça. Ensuite, je leur invoque. Pour invoquer un truc comme ça. J'enchaîne sur Yennefer. Boum. 40. De 23, on est passé à 40.
Bon, ok, j'avoue, c'est la merde. Bon, bah voilà, hein, c'est gratuit. Normalement, j'ai un succès avec ça. Le prix vous revient. Eredin. Ok. L'or a disparu. Le garde a été poignardé. Oh, fuck. Quoi ? Comment est-ce possible ? Personne n'a quitté les lieux avec l'or. Tous ceux qui sont partis ont été fouillés. Il faut fouiller le bâtiment. Alors, ça, c'est problématique. Je veux mes 9000 d'or, en fait. Ne me demande même pas, je n'y suis pour rien. Mon offre tient toujours. Tu es partant pour m'aider à trouver le magot ? Bah ouais. Entendu. Par où commencer ? Par l'étage. Attends. Oula ! C'est terrible. Cette texture. Les coups portent. Et je ne vois absolument rien. À part une flèche ici. Un carreau d'arbalète muni d'une corde. Elle a été coupée. Le voleur a pu s'en servir pour descendre le sac d'or. Il lui aura fallu un complice qui l'attendait en bas. Alors dans ces cas-là, Geralt... Ouais non en fait. On va prendre les escaliers pour une fois. Voilà, Velen c'est bon. Ça, c'est Lambert. On est pas mal. D'où peut venir cette odeur ? Une odeur de cannelle. Bizarre. Mais c'est le nain ? Je me souviens quand il a rencontré le nain, il a dit « Tiens, ça sent fort et tout. » C'est pour ça que c'est le nain. Toujours les... Après, j'avoue que j'aurais préféré que ce soit l'elfe, en vrai. Mais il a besoin de fric, le nain, apparemment. Donc, Et ses complices, bah, ses complices de nain. Examinez. Dans sa précipitation, le coupable a perdu cette caisse. Elle a dû tomber du chariot. Comment tu peux être sûr qu'il s'agit du voleur ? Il y a l'arbalète sous les paquets. Pas banal. De larguer une caisse qui sent... Épargne-moi la chute de ta blague. Je connais cette guilde. C'est une compagnie marchande qui importe des épices de Zerikania. Ils ont un entrepôt sur les quais, le plus au nord de ce côté-ci du port. Entendu. Alors. Quoi ? Pourquoi t'es blanc ? Putain. Dico. Attends. Je peux peut-être entrer là ? Non ? Mais arrêtez ! Ils sont tellement chiants. Ah ! Ici ? On doit pouvoir entrer par là. Je dois le dire à Sacha. Mais non ? J'en ai rien à foutre de Sacha. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? On doit pouvoir entrer par là. Je dois le dire à Sacha. Ah ouais, bah du coup, oula, 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 oula. Je vais aller le dire à Sacha parce que ça va mal se passer, je pense. Lequel d'entre vous se nomme Hortensia ? Le plus grand. La mascarade est terminée, Tulle. Donne-nous le magot. La mascarade ? Bien trouvé. J'avais repéré d'emblée, beauté. Mais je pensais te voir arriver seul, je l'avoue. Tu lui as dit qui tu es ? Non ? Je suis sûr qu'il va adorer. Vas-y, dis-lui. Ou j'ordonne à Hortensia de te briser les doigts. Mais qui c'est ? De quoi parle-t-il ? De Madame Sacha. Qui a gobé mon histoire de ferme à champignons sans broncher, alors qu'elle aurait dû se montrer plus vigilante. Alors, tu vas lui dire pour qui tu espionnes ? Ou il faut te le faire hurler ? Bas les pattes, laissez-la. Maîtrisez-le, et faites en sorte qu'il ait une vue imprenable. C'est pas ton jour de... Bah, destruction, hein. Allez, chacun son tour. Ouais, bah je crois qu'il y aura pas plus de dialogue avec eux. Malheureusement. Ah oui, elle a one shot. Alors, Axie. Boum. Attends, mais elle fait tellement de dégâts. Regardez. Et du calme, il est mort, c'est bon. Oh non, il y avait des couronnes. Oh non, je suis deg. 9000 couronnes, je pense. Oh, beau travail. Je ne l'ai pas soupçonné une seconde alors qu'il m'avait percé à jour depuis belle lurette. Les Halflins peuvent se montrer imprévisibles. Oui. Enfin, quoi qu'il en soit, on a réussi. Partageons le butin. Alors ?
Quelle est cette fameuse proposition censée me convaincre de partager mes gains? Elle n'a plus lieu d'être. On a récupéré le magot ensemble, on partage équitablement. Tu sais quoi? Allons dîner au Martin Pêcheur. Je t'invite, pour fêter mon dernier jour à Novigrad. Avec plaisir. La prostituée aux yeux bleus était sa sœur. Il n'en est pas revenu. 4500. Il m'a ça fait plaisir. De trouver dans la maison de la dame de la nuit. Et là... Quelle histoire. Et si nous montions? Tu me montreras comment elle se termine. Alors... Là, tu es investi paisiblement. Tu fais jeter tes cartes et ton argent. Mec, si elle avait fait ça, mais elle serait tellement morte. Ok. Bon, on a plus de 40 000 de fric. Je vous jure, pour ce qu'elle dit, j'aurais 50 000. Genre, vraiment. Et d'ailleurs, je vais piller tout ça pour en être sûr. Alors du coup, il y a une quête juste ici. Moi, je vais faire une pause. Voilà.